Pendant leur voyage en Afrique du Sud, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas fait d'écart. La reine Elisabeth II serait très satisfaite de ce nouveau Royal Tour. Meghan Markle et le prince Harry ont fait la fierté d'Elisabeth II. Le 22 septembre dernier, le couple royal a posé ses valises en Afrique du Sud pour partir à la rencontre de ses habitants pendant 10 jours. Alors que ces derniers s'apprêtent à retrouver leur nid douillet à Frogmore Cottage, la reine serait aux anges. Selon elle, le duc et la duchesse de Sussex ont représenté avec brio la famille royale britannique. L'expert des têtes couronnées, Neil Sean, a fait savoir à l'Express que cette dernière avait beaucoup apprécié le comportement de Meghan et Harry pendant ce voyage. Selon ses informations, elle a aimé cette proximité entre le couple et les personnes qu'ils ont rencontrées. Nous les avons vus danser, applaudir. Ce n'est pas le genre de choses que fait généralement la reine, a-t-il expliqué. Mais elle les approuve totalement. Sur place, ils en ont aussi profité pour rendre hommage à Lady Diana, un moment durant lequel le prince Harry était très ému. Les jeunes époux ont aussi présenté leur fils, Archie, né en mai dernier, à Desmond Tutu, un archevêque sud-africain mondialement connu pour avoir reçu le prix Nobel de la paix en 1994. Neil Sean a également précisé que cette tournée était un véritable succès et que, jusqu'à présent, tout s'était déroulé comme prévu.